innocent. La foule me cachera. Jamais je ne mettrai en danger la confrérie. Tels sont les tenants du credo, les principes qui gouvernaient ma vie. J'étais alors un jeune homme, à la veille de la guerre qu'on dit de 7 ans. Je n'aurais jamais imaginé ce que me réservait l'avenir, ni le prix qu'il me faudrait lui payer. Mon nom est Shay Patrick Cormac. Et voici mon histoire. Eh bien, nous ne manquerons pas de bois pour le feu. Admets-le, j'ai failli t'avoir. Mais tu ne m'as pas eu, Shay. Et puis non. T'as eu de la chance, c'est tout. Je crée ma propre chance, Liam. Ah, c'est ce que tu prétends toujours, mais il serait temps de le prouver. Il t'en faut de la chance avec les ennuis que tu t'attires. Bah disons, ce sont les ennuis qui me collent à la peau. Il est temps de rentrer. Viens vite. Monsieur de la Vérandrie et son équipage ont dû s'attirer des ennuis. Tout ça pour un rendez-vous avec des contrefaçons.
Eh bien, je vais trop vite pour toi. Non, je veille sur toi. Au cas où tu te blesserais en tombant. Fais vite. Mieux vaut ne pas faire attendre, monsieur. Oh, malédiction! Où sont ces crétins? Espèce de... Où étiez-vous, vous deux? En pleine partie de chasse. Que s'est-il passé ici? Les misérables Anglais ont attaqué mes hommes! Eh bien, capitaine Joseph, vous n'avez donc pu les repousser à vous seul, comme vous le dites toujours? Capitaine Louis-Joseph Gautier, chevalier de la Vérendrye. Et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin. Sais-tu ce que cela implique? Cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition, d'obéir à son mentor sans poser de questions. C'est le prix à payer pour la liberté des hommes. Voilà de belles paroles, chevalier. Mais je ne me sens pas très libre en ce moment. J'espère que tu sentiras ceci. Viens, viens! Viens, viens! Misérable petit garnement. Misérable petit garnement. Hein? Je vais t'apprendre les bonnes manières, petit. Messieurs, voyons. Nous avons un ennemi commun, et il est sur nos talons.
La Royal Navy m'a attaqué et a mis mes hommes en déroute. Nous sommes bloqués ici, et pire encore, les contrebandiers que nous devions voir ont été capturés. Shay et moi allons les aider. Vous soignez vos hommes. Prends-les. T'en auras besoin. Sois prudent, Shay. Rappelle-toi tes entraînements. Et programme. Sois prudent, Shay. Rappelle-toi tes entraînements et prends garde à la Navy. T'es prêt à leur donner une leçon? Ils n'ont pas l'ombre d'une chance. Où sont tes amis, hein, sale vermine? Pas mal. Avant que je brise le crâne! Lorsqu'on les trouvera, ils enterreront ce qu'il restera de toi. Ouvre l'œil, les gars! Ces complices sont toujours dans les parages! Merci. Bien, pas en place. Je préfère ça. Merci, mon ami. Vous allez me prendre. Bonne charge, les gars ! Réduisez-le en temps ! Coulez ce navire français ! Il n'est pas de taille contre vous ! Thank you.
vous en ai laissé quelques-uns. Trop aimable. Tu n'es pas totalement bon à rien, Shay. À propos de bon à rien, ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire. Ce vieux Raffio. Si tu en veux, Shay, il est à toi. Maintenant, ramène-moi à mon navire. Tu l'as entendu ? Ce navire est à toi. Vas-y, prends la barre. Les hommes que vous avez sauvés nous rejoignent. Ils feront un bon équipage. Je ne sais que penser de leur capitaine. Mais après moi, tu es le marin le plus expérimenté de la confrérie, Jay. Et un bateau de plus nous serait fort utile. Même en piteux état. Il est à moi, c'est vrai ? Un navire à moi. Ton vieux Raffio flottant, ouais. Avec une touche de peinture et de nouveaux canons, j'en ferai l'un des meilleurs navires du monde. Peut-on commencer, capitaine ? Tout de suite, Moussaillon. Abruti. Il est en piteux état, mais il tient la mer. Et il a été baptisé le Morrigan. Ah, Morgan ! Cette idiote de fée qui avait ensorcelé Merlin l'Enchanteur ? Oh, il tira comme un gant, Shay. Morrigan était une déesse antique, la reine de la guerre et des ténèbres qui venait collecter l'âme des guerriers défunts. C'est Shay tout craché. Ce putain de sang est mort ! À vos postes de combat. Apte au combat. Je retourne à bord de ce qu'il reste du Gerpo. J'ai une longue route et de nombreuses réparations en perspective. Donnez de la voix, les gars. Le chevalier est fier de nous.